Comme l'a rapporté le Daily Mirror ce dimanche 2 avril, Lewis Capaldi pourrait mettre fin à sa carrière. En effet, l'artiste britannique a admis cette triste vérité et ce pour raison de santé. Depuis 2019, Lewis Capaldi est un artiste écossais qui fait sensation auprès du grand public. Grâce à son titre à succès Forget Me, il est devenu l'un des chanteurs phares outre-Manche. En septembre 2022, l'interprète a expliqué qu'il était atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Une révélation qui avait alors ému ses millions de fans à travers le monde. À l'occasion de la prochaine diffusion de son documentaire inédit Lewis Capaldi, Comment je me sens maintenant sur la plateforme de streaming Netflix, l'artiste s'est livré comme jamais sur sa santé mentale. D'après les informations publiées ce dimanche 2 avril par nos confrères du Daily Mirror, ce programme serait riche en révélations. Et pour cause, Lewis Capaldi envisagerait de mettre fin à sa carrière si son syndrome s'aggravait. Il est tout à fait possible que je mette fin à ma carrière dans la musique, c'est à cœur ouvert, que l'interprète de Before You Go s'est confié sans tabou dans ce programme inédit. Lewis Capaldi est notamment revenu sur sa gestion de cette maladie neurologique. Dans une interview exclusive accordée au Times ce dimanche 2 avril, il a déclaré ceci, « Si est-ce lorsque que je fais de la musique, que le syndrome de Gilles de la Tourette apparaît. Je peux aller bien pendant plusieurs mois, et c'est une situation très étrange. » Avant de continuer avec une déclaration pour le moins surprenante, à l'heure actuelle, le compromis en vaut la peine. Cependant, si le syndrome s'aggrave, et que je n'arrive à un point où cela me crée des dommages irréparables, j'arrêterai. Il est tout à fait possible que je mette fin à ma carrière dans la musique. En attendant, les fans de cet artiste hors norme pourront découvrir l'histoire de sa vie et son combat contre cette maladie dans ce documentaire exclusif dès le mercredi 5 avril.